bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour l'essai du 8RX 410. Donc là je suis chez West Agri en Vendée, à Saint-Gemme-la-Plaine. J'espère que vous allez bien. Donc là aujourd'hui on va aller faire un petit tour. Je vais vous emmener avec moi. Donc j'ai la chance de pouvoir l'essayer. Allez go. Je pose mon appareil photo. Donc celui-là c'est un prototype. Il y en a deux pour l'instant, prototypes comme ça. Salut Romain, oui, j'avoue, oui. Alors il existe en commande pro mais pas sur le 410. Le commande pro ça va s'arrêter sur le 8RX 370. Donc là, je m'en vais faire un petit tour sur la route. Bon, attendez. Monsieur Palardi qui vient de passer avec son joli Scania. Allez go, c'est parti. Donc du coup normalement on aurait dû avoir une démo en plein champ. Mais le problème c'est qu'il a tellement mouillé que ils ont annulé la démo et du coup bah c'est un essai en concession. Moi ce que j'adore c'est ce volant là. Ça c'est vraiment le kiff. Donc là on va aller sur... je vais aller prendre la grande route. En tout cas, ça fait plaisir de pouvoir l'essayer enfin parce que moi j'avais été le voir en Espagne, mais c'était le 8RX à pneus. Et là, celui-là à chenille, bah, c'est vrai que ça fait un moment que je l'attendais. Donc merci à West Agri hein, de pouvoir faire essayer comme ça. Tout seul, c'est plutôt cool. Donc là je suis à 43 km/h. Bon, on sent quelques petites secousses hein. On va dire que c'est pas forcément fait pour faire de la route les chenilles, mais il y a un très très bon comportement.
On sent une toute petite vibration dans le volant, mais c'est vraiment minime. Non, non, je vais pas en acheter un. Déjà, la saison est compliquée, donc... Non, c'est vraiment histoire de voir ce que ça donne, hein, même si on ne tracte rien derrière. Bah, voilà, c'est toujours un plaisir de pouvoir se dire, bah tiens, j'ai essayé un 8RX. Hein, voilà. Mais mon 8320R, je l'aime toujours autant. Ah ben faire de la dameuse, oui, hein, j'aimerais bien aussi. Après, j'ai jamais eu l'occasion pour l'instant d'en faire. Ah, ça braque bien. Ça, il n'y a aucun souci. Donc du coup, on va refaire un petit tour dehors. Je vais vous montrer un peu... Là, je me suis arrêté... Bon, par contre, ce qui est bien, c'est que pour avoir accès à la porte pour monter, ils ont mis ça là, donc ça, c'est plutôt bien. Donc, en fait, celui-ci, en fait, ce RX 410, c'est celui-là que Hugo de chez HLG, il avait filmé sur une tonne sans son. Bah, c'est celui-ci en fait, c'est un prototype. C'est exactement celui-ci. Allez, go. Même l'inverseur, il est sympa. Ça change de l'ancien. Donc voilà, hein, j'espère que ce petit live vous aura fait plaisir. Salut Mathis, salut tout le monde. Bon là c'est toujours la boîte que tout le monde connaît hein, de chez John Deere. Là sur la route, voilà.
43 km/h, boîte 23, toujours la même console. Il y a juste l'Apple Car, bon voilà, qui est là, ça c'est énorme. Donc c'est hyper hyper silencieux en cabine, hein, vraiment. Salut Bastien. Alors oui, il y a quand même une grosse différence par rapport aux roues. Bon, c'est sûr que la différence, j'aurais voulu la voir au champ, hein, pour voir la différence de la traction entre le pneumatique ou la chenille. Mais sur route, bon, franchement, c'est pas désagréable. Hein. Là, bon, je suis sur de la belle route. Mais le pneumatique, on ressent un peu moins de vibration au niveau du volant. Quoi. Non, il n'a pas la commande pro celui-là. Hein. C'est le RX, le 8RX 410. La commande pro, elle s'arrête aux 370 chevaux. Il n'y aura pas de commande pro sur le 410. Enfin, pour le moment, hein. Après ça va peut-être changer, mais quand j'avais été en Espagne, il parlait que le 370 c'était la dernière gamme avec la commande pro. Bonjour tout le monde! Son tarif, je ne le connais pas du tout. Je ne le connais pas du tout. Bon, forcément, ça sera un tracteur à plus de 250 000 euros, hein. Ça c'est sûr. Mais ouais, très franchement très très bon comportement. Je suis vraiment satisfait, je m'attendais vraiment à, je sais pas, des scousses partout, à être brassé un peu, mais en fait, ouais, très satisfait. Ouais, la boîte de vitesse, franchement, elle est souple. Bon, moi la boîte de vitesse que j'ai sur le 8320R, c'est la boîte, donc c'est la Vario. Là on est en boîte 23, mais ouais, ça reste assez souple quand même. J'aime bien. Bah c'est sûr que oui, là la route que j'ai pu faire, oui, les gens sont quand même assez curieux et c'est vrai qu'il n'est pas forcément courant chez nous celui-ci. Salut. Il n'est pas forcément courant chez nous ici, donc bah ouais, ça fait bizarre quand même de voir un 8RX sur la route. Donc il y a 2 semaines, je l'ai croisé sur un porte-engin, il allait en Charente-Maritime. Bah aujourd'hui je suis dedans. Donc ouais, c'est génial. Je suis assez content. Donc voilà, on arrive à la concession. En tout cas, merci à tous ceux qui ont regardé le live. Super, super sympa d'avoir pris le temps. Et puis ça m'a fait plaisir de vous faire découvrir la bête. Là, plein de parking. Bon, ben voilà. Sinon, bon, ben là, il y a le petit frigo. Le petit frigo. Là, bon, on a une boîte pour mettre sûrement les bouquins, les notices d'utilisation.
Ensuite, normalement, la commande arme, il me semble, parce que j'avais vu ça en Espagne, je sais plus comment que. Donc là, forcément, tout est électrique. Ouais, voilà, c'est là. Donc là, forcément, je pivote. Bon, vous avez vu cette place, et puis c'est génial là. Ça, j'adore. Et du coup, là, la commande arme, en fait, elle. Donc là, je suis droit. Et quand on part de l'autre côté, en fait, elle. Vous avez vu ce qu'elle fait? Donc là, c'est génial parce qu'on peut vraiment descendre tranquille sans lever ça comme les autres tracteurs. Là, c'est plutôt sympa. Donc, très très bonne visibilité. Bah, franchement, les chenilles pour braquer, oui, bah, sur place, c'est pas ouf, hein, mais en avançant, ça braque super bien. Et le rayon de braquage, ouais, il est vraiment bien. Oui, hein, n'hésitez pas à vous abonner, hein, y a pas de souci, avec grand plaisir. Bon, ben voilà. Fin de chantier. Bon, j'aurais bien voulu travailler des heures et des heures avec, mais bon. Déjà, je l'aurais essayé. Donc, même à descendre, hein, ils ont élargi. Enfin, moi, je le vois par rapport à mon 8R. Ils ont vraiment élargi ici. On monte vraiment assez facilement. Donc voilà, le petit bébé. Bon, mais en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé le petit live. Ça m'a fait plaisir de le partager avec vous. Et puis un grand merci à Westagri, surtout de m'avoir fait essayer le 8RX. Forcément, avec ça, je vais passer une bonne journée. Et puis je vous dis à la prochaine. Surtout, n'hésitez pas à partager, à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt pour plus de nouveautés, parce qu'il va y en avoir encore. Voilà. Bonne journée tout le monde, et prenez soin de vous. Bye.